Bonjour, je m'appelle Arnaud Joux, je suis journaliste à RFI et je travaille sur les questions d'environnement depuis à peu près 25 ans. L'histoire du climat, pour la comprendre, euh, il faut imaginer qu'il y a très longtemps, on ne savait pas grand-chose du climat. On avait des petites informations, on était capable de deviner un petit peu les saisons, les changements de saison, des choses comme ça, mais on n'avait aucun recul par rapport à tout ça aucun recul au niveau planétaire, et on ne savait pas grand-chose de notre histoire du climat, sinon qu'il y avait des grandes périodes de glaciation, de réchauffement, mais on n'avait pas de vision globale de l'histoire du climat. Et un jour, des scientifiques sont partis euh, en Antarctique, à Vostok, euh, dans les années 78, ça a été des Russes, des équipes américaines et notamment une équipe française. Et ils ont reconstitué l'histoire du climat sur 800 000 ans en analysant des carottes de glace qu'ils ont fait dans un lieu où il y avait à peu près 3000 mètres d'épaisseur de glace. Euh, dans ces carottes de glace euh, sont piégées des petites bulles d'air dans lesquelles on trouve tous les éléments chimiques qui permettent de reconstituer le climat à différentes époques. En analysant l'ensemble de ces données, ils se sont rendus compte qu'à partir de la période de l début de l'ère industrielle, 1820-1850, on a un décrochage euh, du climat, c'est-à-dire que le climat se met à chauffer de plus en plus, de plus en plus. Et là, ils se sont dit, on a un problème. Et donc, on a créé un organisme, euh, le GIEC, sur l'initiative de l'Organisation mondiale de la météorologie, du PNU, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, et on a créé le GIEC, qui est un organisme qui fait une synthèse de l'ensemble des connaissances mondiales sur le climat pour essayer de documenter cette affaire qui inquiétait les scientifiques. À partir du moment où on a découvert ce problème, on s'est dit il faut Maintenant informer les États. Et c'est ce qui va se passer au sommet de la Terre à Rio en 1992. À ce moment-là, on réunit tous les pays du monde. Pratiquement tous les pays répondent présents. Il y a plus de 110 chefs d'État, il y a des ONG de la planète entière. Le monde est présent à Rio et le message à Rio est de dire on a un problème avec l'environnement. D'abord, on n'a qu'une planète. Euh, et Actuellement, nos modèles de développement sont en train de dégrader cette planète, on est en train d'abîmer l'air, l'eau, la terre. Euh, il, voilà. il va falloir modifier nos modèles de développement. Et puis, on a un gros problème qui est le problème climatique. On a un dérèglement du climat et il va falloir absolument trouver des solutions. On est à une époque où on est absolument convaincu que tout ça, c'est des réglages et que de toute façon, il va y avoir des initiatives internationales et qu'on va résoudre le problème. On décide de créer trois conventions pendant le sommet de Rio, la convention biodiversité, une convention sur la lutte contre la désertification et la convention climat. Et euh, tous les pays adhèrent à ces, à, ces, à ces différentes conventions, notamment à la convention climat, et tout le monde se dit prêt à lutter, évidemment, contre ce problème pour le régler. Et à partir de ce moment-là, dans le monde entier, on va pour la première fois voir des ministères de l'Environnement et on va développer des programmes pour lutter contre ces questions. Ou du moins, on croit à cette époque qu'on va pouvoir résoudre ces questions. On se dit bon, si le problème, c'est les émissions de gaz à effet de serre, on va demander à chaque pays de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Et puis on va reconnaître évidemment que tous les pays n'ont pas la même responsabilité, parce que vous avez des pays qui sont des gros émetteurs et des pays qui sont de très faibles émetteurs de gaz à effet de serre. Euh, et donc euh, les pays historiquement responsables, qui sont quand même ces pays industrialisés, qui sont à l'origine de ce décrochage climatique. Euh, décide de montrer l'exemple et euh, c'est le protocole de Kyoto mais déjà au moment du protocole de Kyoto on a des pays comme les États-Unis qui disent oui mais nous notre mode de vie n'est pas négociable donc euh, on n'est pas d'accord pour rentrer euh, pour faire des efforts dans ce cadre donc on commence à voir que euh, ça devient un petit peu compliqué et puis les hum, on espère malgré tout qu'on va pouvoir étendre le protocole de Kyoto finalement à l'ensemble de la planète à l'occasion de la conférence de Copenhague. Copenhague, on espère que ça sera le moment où on va enfin pouvoir avoir un accord mondial avec une stratégie mondiale qui implique absolument tous les pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Malheureusement, à Copenhague, toutes les divergences apparaissent. Les pays, les pays euh, certains pays industrialisés essayent de faire des efforts, d'autres refusent d'en faire, euh, comme les Américains. Des pays en voie de développement disent "Mais bah, écoutez, vous êtes bien gentils, mais nous on voudrait d'abord se développer et puis ensuite on fera des efforts." Et puis vous avez des pays en développement qui disent "Bah attendez, nous on est responsable absolument de rien puisqu'on n'est absolument pas industrialisé ou très peu, donc on participe très peu au réchauffement climatique et par contre on va être très très durement impacté." Donc euh, tout le monde, on s'aperçoit que tous les pays du monde sont sur des positions différentes. On n'arrive pas à mettre en place cet accord international à Copenhague. Et finalement, tout le travail qui a été réalisé pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique éclate à Copenhague. Et on se retrouve à la fin de Copenhague avec plus rien. Bon, après Copenhague, on n'a plus rien. Et il va falloir trouver une solution parce que de toute façon, pendant ce temps-là, la planète continue de réchauffer. Une équipe française va proposer une autre approche qui part du principe qu'à Copenhague, finalement, on a demandé aux pays de faire des efforts. C'était contraignant et l'accord a éclaté parce que les pays n'étaient pas prêts à faire ces efforts. Donc, on décide d'approcher le problème autrement. On dit maintenant, ben écoutez, ce qu'on vous propose, c'est que chaque pays nous fasse des propositions. Ils disent, ben voilà, nous on est prêts à s'engager au niveau national à faire tant d'efforts, tant de ceci, tant de cela. Et donc, on va se baser sur des accords, sur des engagements volontaires. Et on va rassembler tous ces engagements volontaires et on va mettre ça dans un accord dans lequel tous les pays s'engagent à réviser régulièrement leurs ambitions, de manière à ce que l'ensemble des pays puissent rejoindre l'objectif commun qui est d'empêcher le réchauffement de la planète au-delà de 2 degrés à la fin du siècle et, si possible, ne pas dépasser 1,5 degré. Et donc, ça marche. Et à la COP21, pour la première fois, tous les pays du monde vont signer ce qui est le premier accord mondial sur le climat, les accords de Paris, qui vont permettre de remettre tous les pays du monde dans l'escalier avec une vraie stratégie d'effort. Les accords de Paris fonctionnent à partir de 2020. Il nous reste deux ans. Donc il y a tout un tas de réunions techniques actuellement pour régler des milliers de problèmes qui, qui n'ont été qu'abordés grossièrement dans le cadre de l'accord. Il faut maintenant en préciser les termes, fixer les règles du jeu, fixer les agendas. Enfin, il y a énormément de boulot. La Convention euh, propose de donner 100 milliards de dollars par an euh, aux pays en, en voie de développement et de, même de réévaluer ce montant en 2025. Or, pour l'instant, l'argent n'est pas réuni. On ne sait pas qui euh, va distribuer l'argent, quelles vont être les conditions, euh, par quelle banque ça va passer. Enfin, on a des milliers de problèmes à régler en très peu de temps. Et en plus de ça, on est dans une période où il y a un rejet euh, de certains grands pays par rapport à l'initiative climatique. On a par exemple les États-Unis qui se retirent de l'accord climat. On a le Brésil euh, avec Bolsonaro, euh, le Brésil qu'on appelait le poumon vert euh, de la planète à l'époque de Rio, qui, qui, qui veut se dégager aussi. Enfin, on a une situation internationale est assez compliquée et on a que 16 pays véritablement qui sont dans les clous de la négociation. Donc il y a beaucoup de boulot à faire. Et, et en plus, on a le GIEC qui a sorti un rapport il y a quelques mois, qui est le rapport 1.5, dans lequel ils expliquent les désastres et les problèmes si on dépasse 1,5, donc a fortiori, si on dépasse, euh, si on va beaucoup plus loin, les problèmes seront encore plus graves. Donc, on est dans une situation où euh, le GIEC nous dit qu'il faudrait faire trois fois plus d'efforts dans les deux ans qui viennent. C'est un enjeu extraordinaire. On a peu de temps et on a déjà réussi à remettre tous les pays... Tous les pays du monde dans l'escalier pour essayer de, de régler ce problème. Mais malheureusement, le temps des hommes n'est pas celui de la nature. Et pendant ce temps-là, la Terre chauffe. C'est un crime contre l'humanité!